Daniel, lors de la remise du prix à la SCAN pour ton livre Algérie, récit anachronique, Yves Courrier, l'historien, était là. Et dans son discours, il a dit, il t'a qualifié d'Européen participant à la guerre de libération. Oui, c'est une. Il y a beaucoup de confusion et je suis quelquefois, je dois dire, étonné de voir le niveau de méconnaissance ou d'incompréhension qu'en France on rencontre par rapport à l'Algérie, par rapport à son histoire, par rapport à son peuple, à ses populations, à ses mentalités. Une étonnante incompréhension, une étonnante méconnaissance, je dirais. On mélange tout. C'est Par exemple, vrai. on me qualifie d'européen, moi qui suis, si je puis dire, de par mes ancêtres, dans ma lignée, peut-être parmi les habitants les plus anciens de l'Algérie. Puisque. Mais la halina, comme on dit, moi j'aime pas les divisions ethniques. Je puis dire qu'effectivement mon nom est un nom berbère, tout le monde le sait, que ça veut dire petite flamme en berbère, que mes ancêtres sont des berbères, judaïsés, hein, à une époque qui remonte à peut-être à 2000 ans ou à 1500 ans, je ne sais pas, je ne vais pas remonter dans le temps. Mais je vous dis, je le dis, peu m'importe. Je le dis très franchement, pour moi, quelqu'un, il est mort, l'ahmou, comme on dit, comme Baptiste Pastore, fils d'émigrés espagnols, hein, assassiné par l'OAS à Bab el-Oued, est aussi algérien, hein, que Mohamed Ben Ali ou que Ben Bouleïd ou d'autres. Il y avait une communauté d'aspiration et de destin qui faisait que tous ceux qui participaient, qui aspiraient à ce destin commun, étaient des Algériens, honnêtement, tout simplement. Et qu'on n'avait pas distingué celui qui descendait des Turcs, ou des Berbères, ou des Bene Hilal, ou de la tribu de la Kaïna, ou de ceux qui venaient de l'Andalousie. Ou ce qui venait de la Sicile ou de. Moi, je suis contre ces distinctions. Et quand on est rentré dans la Révolution, on n'avait pas cette conception ethnique ou religieuse de la nation et de notre avenir. Donc, dire que j'étais un Européen, non, je n'ai jamais été un Européen. Mais passons. C'est un détail. C'est un détail. Je suis algérien par ma mentalité, par mon histoire, par ma vie, par mes goûts, par mes amis, par tout ce qui a fait ma vie. Et si je suis un Algérien en exil, il y a bien d'autres exemples d'autres Algériens en exil et d'autres exilés célèbres pendant d'autres nations aussi. Hein. Donc ce n'est pas parce que j'ai vécu ou je vis une partie de ma vie en exil. Ce n'est pas parce que j'aime aussi une autre culture qui s'appelle la culture française que je suis moins algérien que n'importe quel autre algérien. Il y a une minorité aussi de pieds noirs. Moi, je ne me considère pas comme un pied noir. Je ne suis pas un pied noir. Mais je ne dis pas ça comme étant une qualité ou un défaut. Mais il y a eu une minorité de pieds noirs qui a participé à la guerre de libération. Il y a eu des gens qui se sont sacrifiés. Et je ne vois pas pourquoi on doit les exclure de notre mémoire, les Absolument. exclure de notre histoire. Ils ne peuvent pas être exclus de notre histoire, ils ne peuvent pas être exclus de notre mémoire. Dans mon engagement, j'ai le sentiment d'avoir été solidaire de mon peuple. Et fidèle à ma lignée familiale, à mon grand-père qui était grand rabbin de Constantine, qui n'a jamais porté que le burnous,
Hein, et dans l'air favoriste et galop, l'arbre galop, la geste du Bé Salah, oui. Salah Bé. Hein, et quand il descendait dans les rues, les musiciens, qu'ils soient arabes ou qu'ils soient juifs, quand ils le voyaient, ils lui jouaient cet air pour l'honorer. Parce que c'était une époque où on honorait les diènes, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient juifs ou qu'ils soient musulmans. Les diènes. Diènes, hommes de religion. Ah oui. Les diènes. Et donc mon grand-père était grand rabbin de Constantine et j'en suis fier. Et mon père, il était colporteur quand il était jeune, à Alger, avec son magasin Le Khanout de rue du Lézard, plein de casbah, j'ai habité place de la Lire, en pleine casbah, et j'en suis fier. Et je suis fidèle à ma lignée, tout simplement. Mais je dis ça sans en tirer vanité ou quoi que ce soit. Je dis ça simplement pour situer ce que j'ai fait. Je ne l'ai pas fait contre moi, contre nous, contre mes ancêtres et ma famille. Je l'ai fait aussi pour eux, comme pour tout le peuple algérien. Je dois dire que j'ai une double culture. J'ai à la fois une culture française que je ne renie pas, parce que... Elle véhicule toujours, elle a véhiculé de grandes valeurs. Mais j'ai aussi la culture de mes ancêtres, la culture de mes parents, la culture de ma famille, cette culture arabo-andalouse, pour ma part, hein, faite de toute une sensibilité, d'un goût pour la musique constantinoise, que tous les Algériens connaissent bien. Hein. Et qui fait que quand j'entends le Kord ou le Chir Raymond, les larmes me viennent aux yeux. Et que c'est la musique de ma mère. Nettoie la Saint-Branche. Oui. Ah si, ça. La Saint-Branche. Oui. Et avec un croissant de lune. Et ça, c'est, comment dire, le porte-veilleuse traditionnel qu'on allume à la fête juive de Hanouka. Tu vois ? C'est des veilleuses à huile, là, une mèche. Oui. Et ça, c'est ce qu'on avait à la maison, chez mes parents. Tu vois ? Mm-hmm. Où on fêtait les fêtes traditionnelles juives. Mm-hmm. Tu vois ? C'est beau. Ouais. Ma langue maternelle, c'est l'arabe. Le Dodge. C'est l'arabe parlé. Ta mère était... Ma mère est constantinoise, mon père est algérois. Leur langue maternelle, c'est leur langue, c'est l'arabe. Ma grand-mère maternelle ne comprenait pas le français. Oui. Et mes parents entre eux parlaient l'arabe. Et s'ils nous parlaient en français, c'est parce qu'ils nous disaient il faut apprendre le français parce que le français va vous ouvrir des... Ils nous envoyaient à l'école, au lycée, etc. Oui. Pour nous ouvrir un avenir, comme ils disaient. Et donc... moi, je ne vois pas de différence notable entre les deux cultures. Et d'ailleurs, pour les fêtes arabes, nos voisins nous apportaient des gâteaux. Et nous, pour les fêtes juives, on leur apportait des gâteaux. Fait à la maison, qui étaient ouais. Les mêmes choses. Et donc, à mon avis, il y avait... je dirais... Avec la colonisation, il y avait coexistence. Coexistence. Malheureusement, à cause de l'état colonial, à cause de la situation coloniale, il n'y a pas eu interpénétration fraternelle. Je parle surtout par rapport aux pieds noirs, d'ailleurs. Parce qu'entre juifs et arabes, il n'y avait pas de vraie barrière. Quand tu dis juste arabe, quand tu oui. dis arabe. Et oui, je dis arabe, oui, comme on le disait autrefois. Ouais, c'est-à-dire musulman, algérien musulman. Ouais. De tout temps, par rapport à l'Occident, les juifs dans les pays arabes préféraient vivre en terre d'islam. Terre d'Occident.
Parce qu'en terre d'Islam, ils étaient considérés, tout le monde le sait bien, comme participants des religions du livre. L'équitable. Exactement. Les... Hein? Et donc, ils avaient leur autonomie, ils avaient leur vie culturelle, ils avaient leur vie propre, si vous voulez, sur leur religion était respectée, alors qu'elle était absolument persécutée en Occident. Et que, on dit, je ne dirais pas que c'est vrai ou que c'est pas vrai, mais que certains de mes ancêtres étaient sur les murs de Constantine, à défendre Constantine contre l'invasion française en 1848, là, je crois, oui. À peu près. Hein. Je ne vais pas aller plus loin sur le plan, parce que je vais me cantonner à l'Algérie, mais enfin, des fois on oublie que Maïmonide était le médecin de Salah ad-Din, ce qu'on appelle Saladin. Oui. Hein. Son médecin personnel, c'était Maïmonide. C'est un grand philosophe judéo-andalou. Hein. Et que ceux qui défendaient contre les croisés, quand Salah ad-Din était à ce rapport de lui d'histoire, voulait avoir des combattants qui ne pactiseraient pas avec les croisés, ben, il mettait les juifs sur les remparts. L'histoire a été complexe, mais globalement et d'une façon générale, notre guerre n'a pas été une guerre ethnique, n'a pas été une guerre religieuse. Jamais nous n'avons cédé à ces travers et à ces... Et quand je compare cette guerre à celle qui se joue, à celle qui se sont déroulées, qui se déroulent actuellement, dernièrement, en Europe, en Bosnie, au Kosovo, à droite, à gauche, etc., je me dis, comme notre révolution était grande, malgré ses défauts et ses insuffisances, comme elle était grande, et comme elle se voulait généreuse. Et ça, il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on déforme. La remettre en mémoire, quand même. La remettre en mémoire. Parce que beaucoup aussi se disent, et moi je ne suis pas de cela, loin de là, on a fait une guerre, des centaines de milliers d'Algériens sont morts, il y a eu des souffrances, des destructions et tout, et voilà où nous en sommes. Mais ils n'ont pas connu l'état de la colonisation. Ils n'ont pas connu cette période où les Algériens musulmans étaient des ombres qui ne comptaient pas, qui étaient des silhouettes transparentes, qui ne pouvaient pas influer sur leur destin, qui n'avaient pas d'identité. Et que c'est tout cela qui a été supprimé par l'indépendance. Et les jeunes générations ont oublié ou n'ont pas connu cette situation-là et donc ne savent pas des fois apprécier tout ce que l'indépendance dans ces domaines a donné. Elle a rendu aux Algériens leur dignité et leur identité. Ça, il ne faut pas l'oublier. Quels que soient les avatars, quelles qu'aient été les suites, quelles qu'aient été les erreurs, quelles qu'aient été les misères que nous avons endurées par la suite. Ça m'agace un peu, si tu veux. Quand on s'étonne et on pense, c'est le plus grave, qu'un habitant de l'Algérie, on ne dit même pas un Algérie, un Algérien, ait pu participer à ce mouvement d'émancipation, à cette révolution, etc. Comme si c'était uniquement il fallait être musulman pour
comprendre et adhérer. Et je me dis, quand je me souviens de l'époque que j'ai vécue, que vraiment le pays a bien changé. Parce qu'autrefois, ça n'est pas étonné. J'étais accepté naturellement. Et j'avoue aussi que ça m'agace d'avoir à justifier, de dire mes ancêtres, ils étaient là depuis peut-être j'ai un nom berbère et que j'étais là il y a 2000 ans. Et alors ? Et même si j'étais là il y a 50 ans. Et je dis, je pense surtout à d'autres camarades qui, eux, n'avaient peut-être pas ces racines là, mais qui n'étaient pas moins des Algériens. Je pense à Yves Thorpe, qui a été guillotiné et qui a crié Vive l'Algérie libre en français. Et j'étais là, j'étais dans la même prison de Barberousse et je l'ai entendu. Je l'entendais. Alors, avec trois autres camarades qui disaient Tahian al-Jazayir al-Hurriya. Et tous les quatre ont été guillotinés. La guillotine n'a pas fait le tri. Oui. Alors, c'est vrai, je me dis, quelle régression. Pourquoi cette régression? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même pays que j'ai vécu dans le même pays? Et oui, c'est mon pays. Et des fois, je voudrais bien essayer de comprendre pourquoi ces idées qui nous animaient, eh ben, se sont étiolées. Ces buts que nous poursuivions se sont évanouis. Hein. Au gré de la Soumam, on disait que notre révolution n'est pas faite pour revenir à une théocratie révolue. Mais elle est faite pour édifier une démocratie sociale et moderne. Et c'est les propres termes. Congrès de la Soumam, 20 août 1956. J'étais encore dehors, j'étais dans le réseau de la zone autonome d'Alger. Voilà ce qu'on disait, voilà quel était notre but. Je ne suis pas un cas classique, d'accord, mais il y en avait d'autres de cas qui n'étaient pas classiques. Hein? Il y a des fils de Bachaga qui ont fait la guerre. Et il y a des Algériens parfaitement musulmans qui ont été des hakis. Bon, la Alina, comme on dit. Et moi, je sais qu'une des choses qui a été déterminante pour moi, ça a été la lutte, enfin, l'expérience, la réalité, disons, du nazisme et de la lutte antifasciste. Et par là même, de la reconnaissance des peuples à disposer d'eux-mêmes, et par là même, du rejet de la Hogra. Et que ce n'est pas un hasard si l'aspiration à l'indépendance a littéralement explosé après 1945. Et les gens ignorent que chez nous en Algérie, le mouvement national n'a pas pactisé avec le nazisme, que les dirigeants nationalistes qui étaient enfermés à Djenel Bourez ont refusé d'être libérés parce que leur demander une déclaration d'allégeance au gouvernement de Vichy. Et qu'ils ont préféré rester dans le camp. Mais c'est mon ami, enfin mon ami, quelqu'un que je respecte, qui m'a raconté tout ça, une autre génération, Amar Ouzgan, qui était justement, lui, dirigeant communiste, enfermé dans le camp de Djenel Bourez avec les dirigeants nationalistes.
Et ce sont ces idées-là qui ont imprégné aussi le mouvement national, l'Algérie, le peuple algérien. Et j'avoue que j'ai été façonné par ça. Et c'est ce qui m'a permis, je dirais pas de rejoindre mes origines, en somme, de rejoindre mon peuple. Si je réfléchis en conscience, c'est sans doute aussi parce que j'habitais un quartier indigène, comme on disait. Hein, place de la Lire, c'est la Casbah, porte de la Casbah. La porte de la Casbah, c'est juste à l'entrée de la rue Randon, ex-rue Randon. Quand j'allais au lycée Bugeaud, à l'époque ça s'appelait le lycée Bugeaud, c'est le lycée Émir de Caverne. Donc je descendais rue de la Lire et ensuite rue Bob Alouette. La rue de la Lire, au bout de la rue de la Lire, sous les arcades, il y avait un boulanger, un four de boulanger et la grille du four de boulanger qui était sur le trottoir. Et sur cette grille, il y avait amoncelé, il y a amoncelé, un tas d'enfants de 3, 4 ans jusqu'à 8 ans, 9 ans, qui dormaient sur cette grille pour bénéficier de la chaleur du four et qui étaient là, abandonnés, jetés, comme un tas d'ordures. Une douzaine, une quinzaine d'enfants comme ça, l'un sur l'autre. Et tous les matins, en allant à mon lycée, je suis passé devant. J'ai encore en mémoire le visage de certains de ces enfants. Et ça, c'était ce contact avec cette misère permanente, quotidienne, que je frayais, qui m'a en grande partie et profondément déterminé. J'étais déterminé parce que ce que je voyais, par cette humiliation permanente à laquelle j'assistais. Des Algériens, hein? Est-ce que les Algériens, est-ce qu'ils se souviennent de Trabajalabouker? Non, ils ne se souviennent pas de Trabajalabouker. C'est une chanson qui était très populaire dans les milieux coloniaux. Trabajalabouker, trempe ton cul dans la soupière. Voilà ce qu'on chantait. Comment ne pas être révolté devant une telle atteinte à la dignité? Et je dois dire qu'en tant que juif, je pense, je le dis parce que je ne pensais pas à l'époque, parce que pour moi, juif, pas juif, avec mon idéal tout à fait internationaliste et universaliste, ça ne m'effleurait même pas. Mais les années passant, après, je me dis que aussi, sans doute, ça a joué, que j'étais particulièrement sensible à la chogra, à l'humiliation, et que cette humiliation que je refusais pour les Juifs, je ne pouvais pas l'accepter pour les Algériens. Voilà. Je vais dire, pour reprendre mes histoires de motivation, c'est que comme beaucoup, beaucoup d'autres, moi, pour ma part, et mes parents, et ma famille, on n'imaginait pas vivre ailleurs. C'est là que je viens d'ailleurs à la définition de ce qu'on peut appeler maintenant la communauté de destin. On n'imaginait pas de vivre ailleurs. Je dirais presque ailleurs que de la place de Lire. C'était chez moi. Tellement chez moi que je n'avais même pas conscience.
Et on voulait donc, effectivement, façonner cette Algérie, la délivrer. Et c'est tout naturellement, que j'ai rejoint à mon rythme, à ma façon, chaque Algérien, le mouvement d'émancipation et d'indépendance avant même le 1er novembre 1954. Et bien sûr, le 1er novembre 1954, c'est aussi tout naturellement que j'ai adhéré, si vous voulez, aux finalités et au but de cette révolution, qui était la mienne, naturellement, là aussi. Alors ensuite, comment ça s'est manifesté? Bon, ça s'est manifesté par d'abord une solidarité avant la guerre de libération. J'ai adhéré au Parti communiste algérien. Adhésion qui allait de soi, qui était naturelle, pour moi. Où il y avait des militants musulmans, des militants juifs, des militants chrétiens, mais on n'avait même pas envie de se qualifier comme ça. Et ce Parti communiste algérien m'a permis de rejoindre le peuple. Déterminé en moi, bon, un certain nombre de qualités, c'est vrai, parce que c'était une idéologie généreuse, et aussi, je dois dire, et je vais dire en toute honnêteté, parce que même à l'époque je le sentais, a obscurci mon analyse de la situation en Algérie. Je veux dire que, dans mon expérience du Parti communiste algérien, il y a des éléments extrêmement positifs que je ne renierai jamais. Mais il y a aussi des éléments négatifs. Essentiellement en constituant un frein à un engagement radical. Engagement radical qui a existé chez des gens de mon âge, des Algériens de mon âge, appartenant au mouvement national. Je devrais dire au mouvement national, je devrais dire au MTLD, parce que le mouvement national, c'est tout le monde. Mais disons à certaines organisations du mouvement national, et qui ont constitué l'OS, et qui ont constitué les premiers éléments du CRUA, etc., que j'ai rencontré, que j'ai retrouvé par la suite pendant la guerre. Donc, après quelques des actions communes, je me souviens très bien, en 1946, j'avais été envoyé pour surveiller le scrutin, le fameux scrutin Nejlen, les élections à la Nejlen, c'est-à-dire les élections où le trucage avait été manifeste, où les résultats avaient été faits dans les bureaux du gouvernement général, comme on dit, et où,
les élections avaient été complètement truquées. Quoi. J'ai été envoyé, je me souviens, c'était à Bougaouden, à 10 km de l'endroit où les compagnies de sécurité, je ne sais plus comment ça s'appelait, les gendarmes mobiles à l'époque, c'était les gendarmes mobiles, ont tiré ont tué 6 ou 7 Algériens. C'était du côté de sur leur zèle. Et il y a eu le soutien aux grévistes de la faim en 1950, de l'OS. J'étais à l'époque, j'étais interne à l'hôpital de Kétar, et ils avaient été hospitalisés. Et nous avions organisé une espèce de solidarité envers eux, nous, les internes et externes de l'hôpital, quoi. J'ai discuté longuement avec certains d'entre eux, et là, j'avoue qu'ils m'ouvraient les yeux, parce que cette lutte clandestine n'était pas perçue par tout le monde. Et arrive le déclic, l'autre déclic, le grand, le déclic historique du 1er novembre 1954.